Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, après je sais pas combien d'années d'absence. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo du coup achat tout simplement. Donc j'ai tout marqué sur une petite feuille ce que j'ai acheté, donc vraiment c'est que d'occasion, donc ça sera vraiment pas... Enfin il n'y a pas de neuf dans cette vidéo. Tout simplement parce que cette collection-là n'existe plus en magasin et que maintenant je préfère et je privilégie quand même les secondes mains, tout simplement via Le Bon Coin ou via Vinted ou autre, du coup pas mal de sites quand même. Donc voilà, donc pour commencer, en fait j'ai regardé pas mal d'ensembles en fait qui me plaisaient, etc. Je sais que je suis quelqu'un qui aime... tout accordé, on va dire, vraiment, que ce soit les guêtres, avec le licol, avec un tapis du coup. Donc tout simplement c'est un ensemble que je voulais depuis longtemps mais que j'ai du mal à trouver d'ailleurs, en tout cas d'occasion, mais j'ai quand même réussi à trouver. Donc la paire de guêtres avec les protèges boulets, forcément, enfin, forcément non, puisque d'occasion des fois c'est séparé. Mais là je les ai eus du coup ensemble. Donc juste forcément c'est un peu rayé. Logique, c'est de l'occasion, donc c'est pas du neuf. Hein. Donc du taille du coup cheval. Comme d'habitude, ceux qui me suivent déjà de base, déjà bien avant. J'ai toujours pris du taille cheval du coup. Et je l'ai trouvée hyper belle en tout cas. Par contre, elle est arrivée un peu sale. Donc après, je suis quelqu'un qui nettoie quand même pas mal ses affaires d'équitation, un peu maniaque sur les bords d'ailleurs. Enfin bref. Du coup, je les ai payées 8 euros l'ensemble. Je vous dirai 8 euros ou des trucs comme ça. Enfin, le prix exact que j'ai payé sans, on va dire, les frais de port, puisque ça peut varier au final sur Vinted, même sur Le Bon Coin. Donc, je vous dirai jamais avec les frais de port du coup. Je pense que c'est mieux quand même. Donc, ensuite, ce que j'ai réussi à avoir. Et j'ai galéré, mais alors un point inimaginable, avec la personne en question et le temps de le recevoir, etc. Mais enfin bref. Voilà, désolée. Donc, le licol, du coup, qui va donc du coup avec cet ensemble-là que je trouve vraiment très très beau. Donc moi je trouve que c'est une couleur camel. Après, si pour vous c'est pas une couleur camel, enfin vous avez le droit, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, par la même occasion, je suis malade. Mon visage, enfin, mon visage, ma peau au niveau du mon visage me fait un peu la guerre en ce moment, donc désolée. Donc, je reviens à mes moutons. Du coup, voilà le licol. Par contre, il est arrivé donc, du coup, avec une manche, mais qui n'était pas celle qui était vendue avec de base. Mais je n'aimais pas du tout la longe et elle était rouillée. Donc, hop. Voilà, on va dire que pour du coup 5 euros le licol, c'est le seul en tout cas en taille 3 que j'ai trouvé, en tout cas de cette couleur-là et de cette gamme-là. Je ne l'ai pas trouvé autre part que sur Le Bon Coin, que ce soit sur Vinted ou Facebook, puisqu'il y a des fois où je sais que je fais des bonnes rencontres aussi pour les gens qui vendent aussi pas mal d'affaires d'équitation. Je trouve ça super bien. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, ensuite, je continue. De base, je voulais pas forcément l'avoir, mais. Vu que la dame elle m'a dit si, pour 4 euros, allez hop, je me suis dit bon, pour 4 euros, bon. Voilà, donc me voilà avec un nouveau amortisseur. Je sais qu'il va falloir que j'en dégage quand même parce que là, voilà. Donc, du coup, tout simplement, du coup, mon amortisseur, comme ceci, Fukanza, très basique, on va dire. Juste, oui, il est un peu crade au niveau de la. Comment on peut appeler ça? Bon, enfin bref, au niveau de la bande blanche, pas très très propre quand je l'ai eu, pas du tout même, vraiment pas propre du tout. Le licol encore, je crois que c'était le pire avec un des deux tapis que je vais vous montrer juste après. Ça avait vraiment été amortisseur, licol et un des deux tapis vraiment les plus crades, on va dire. vraiment, j'ai jamais vu des affaires d'équitation aussi crado, en tout cas qu'on m'a envoyé en fait. Parce que moi je sais que si j'envoie des affaires d'équitation, même si c'est d'occasion, je préfère que ça soit envoyé mais propre, tout simplement. Donc ça je l'ai acheté du coup 4 euros. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt. Je trouve ça plutôt pas mal du coup.
Ensuite, je me suis acheté du coup le tapis et qui allait avec. J'étais un peu surprise de la matière parce que je sais que quand il était sorti, j'avais pas été le voir en fait en vrai, j'avais vu que sur le site en fait Decathlon tout simplement. Et mais j'avais jamais touché la matière et c'est une matière un peu bizarre, mais du coup j'ai super bien apprécié en fait le type de matière que c'était. Et du coup voilà. Donc du coup voilà le tapis en question, donc gris, une bande noire, camel du coup, et blanc. Et je trouve vraiment cet ensemble vraiment très très beau. En tout cas pour moi je le trouve vraiment très très joli. Donc du coup c'est une taille cheval. Juste le seul défaut c'est ici en fait, c'est un petit bout de couture en fait qui s'est barré. Mais je ne vais pas chipoter, hein, clairement pas du tout. En sachant que je l'ai payé 8€ celui-ci, donc franchement rien du tout. Et je voulais tester et je ne suis pas sûre de le garder, mais je verrai bien. Ce tapis là, donc le voici. Que dire? En fait, j'aime pas trop la coupe en fait. Si vous voyez ma vidéo, celle d'avant en fait, je suis désolée, j'ai plein de poils qui s'en vont forcément. Ben, j'ai plutôt des tapis vraiment. Voilà, je vais plus me rappeler du nom. Enfin bref, basique. Hein, voilà. Donc vraiment basique, vraiment pas de coupe ni quoi que ce soit. Là c'est vraiment plus une coupe sport quoi. Donc j'avais jamais vu, enfin en tout cas testé plutôt. Que là je suis un peu mitigée on va dire vraiment pour la coupe. Donc je verrai bien si je le garde ou non. Donc pareil, celui-ci je l'ai donc acheté 8€. Donc vraiment. Donc du coup ensuite en achat du coup d'occasion, ce que j'ai fait c'est que j'ai revendu donc du coup mes autres étriers du coup compositis que j'avais déjà depuis très très longtemps et ils me convenaient plus forcément. C'est ce à quoi du coup je les ai vendus également, donc propre, pas très cher. Je pense que la personne qui les a du coup est très très contente puisque c'était les paires où il y avait des semelles interchangeables pardon, et qui par contre les semelles étaient vachement chères je trouve. Ah oui, petit entre parenthèses du coup, mes lunettes sont de travers effectivement. Simplement qu'il faut que j'aille les changer dans pas longtemps. Voilà. Donc revenons donc du coup encore à nos moutons. Sur ma selle du coup j'ai racheté, donc il me semble que c'est les étriers du coup de chez Compositi, les réflexes il me semble. Si je dis des bêtises, dans tous les cas vous pouvez me rattraper, hein, y a pas de problème. Donc hop, donc les voici. Forcément ils sont un peu crades. Donc les voici. Donc noir parce que bah, ma selle elle est noire, donc je préférerais avoir des étriers noirs tout simplement. Je les trouve mieux on va dire dans le sens que le plancher est plus large tout simplement. Ensuite je suis hyper contente de cet achat là, enfin deux en un on va dire. Tout simplement parce que chez moi il pleut énormément et je pense que du coup cet achat là, je pense que vous savez à peu près ce que c'est ou vous avez une idée en tout cas. Va énormément me servir tout simplement parce que c'est un couvre-rein, enfin deux couvre-reins mais qui peut en faire qu'un en même temps, donc vous allez comprendre de suite. La quasi-totalité de mes affaires viennent de chez Fugenza, d'une parce que j'aime beaucoup cette marque et que c'est pas très cher, c'est quand même assez abordable, encore plus d'occasion tout simplement, et tout dépend aussi des disciplines etc que vous faites forcément, mais pour moi en tout cas Fugenza me convient amplement, me convient moi et forcément le cheval, ça me paraît logique. Donc du coup couvre-rein, donc 8€ du coup d'occasion forcément toujours et encore hors frais de port. Donc celui-ci est arrivé très très vite sincèrement et je suis hyper heureuse de cet achat là, donc taille cheval. Je trouve qu'ils se sont vachement améliorés au niveau des qualités, etc. Au fur et à mesure du temps, Fugenza, je trouve. Ce n'est que mon avis, forcément. Donc, il est vraiment renforcé au niveau du dos du cheval. Donc, franchement, il est vraiment au top. En tout cas, c'est mon avis.
Vous avez le droit d'avoir un avis totalement opposé au mien, hein, forcément. Et donc, excusez-moi, il n'est pas forcément super bien rangé. Donc, celui qui va du coup au-dessus, c'est le couvre-vent du coup imperméable de chez Fukenza également. Donc, comme ceci, qui va du coup sous les quartiers de la selle. Enfin, moi je le mets sous le quartier de la selle, tout simplement. Donc, pareil, taille cheval. Donc, je suis ici, j'ai payé 10€ aussi d'occasion. Et tout simplement, enfin voilà. Après, il est vraiment que imperméable, hein. C'est pas à l'intérieur, c'est un petit filet. Mais au moins, s'il pleut mais qu'il fait pas froid, je sais que je pourrais mettre ce couvre-rein là. Et s'il fait froid et qu'il pleut, je sais que je pourrais mettre les deux. Donc, franchement, c'est plutôt, je trouve, un bon point en tout cas de ce qu'ils ont fait là. D'occasion, je trouve ça beaucoup moins cher que forcément neuf. Logique, du coup. Donc franchement trop bien, je suis hyper heureuse en tout cas de mes achats, en tout cas du mois de janvier, parce que j'en ai fait pas mal en 2021 du coup, décembre et novembre, enfin octobre, novembre, décembre, j'en ai fait pas mal quand même d'achats, et là c'était mon dernier ensemble, j'espère, donc que je me suis vraiment acheté et auquel je me suis fait vraiment plaisir. Donc voilà pour cette vidéo, j'en suis très contente d'être revenue sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir, j'espère que le plaisir sera partagé également avec vous. Mon absence est due simplement à mes études, etc. Forcément, au bout d'un moment j'ai préféré en tout cas me concentrer plus sur mes études que sur les vidéos, etc. Donc voilà. Et j'ai supprimé toutes celles qui étaient avant parce que effectivement j'ai grandi quand même, ça sera plus forcément les mêmes vidéos ni les mêmes qualités de vidéos également. Donc j'espère que vous allez néanmoins apprécier.